Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. 300 migrants campent en plein cœur de Paris. Tandis que les Français sont nombreux à partir en vacances, dans leur beau pays, les miséreux du monde s'organisent pour survivre dans la rue. Des solutions d'urgence existent pourtant, mais c'est à Marseille qu'il faut aller les chercher, avec les dômes futuristes de l'association Frater. Au nombre de ces solutions peu coûteuses et faciles à mettre en place, il y a bien sûr le vélo. À quand un grand plan pour le développement du vélo en ville? Les vélorussionnaires se mobilisent pour que la conférence sur le climat de la fin de l'année n'oublie pas les solutions les plus simples. Et si les minorités racialisées, et les pauvres en général, étaient les premières victimes des atteintes à l'environnement? Est-ce qu'on ne pourrait pas espérer alors une convergence des luttes entre populations défavorisées et militants écologistes? La guerre contre l'environnement menée par le capitalisme ne connaît pas de frontières. Si la France multiplie aujourd'hui les interventions militaires à l'étranger, et notamment en Afrique, c'est aussi pour des raisons qui rejoignent la question écologique, ou plutôt sa négligence. Retour sur l'opération Barkhane et la guerre pour l'uranium. Et pour finir notre Alter JT, nous avons décidé de relayer l'appel à l'aide de nos confrères du journal alternatif Le Ravi à Marseille, dont l'excellent travail de veille et d'investigation mérite vraiment d'être défendu. Ils sont venus principalement d'Érythrée et du Soudan, fuyant d'effroyables situations de dictature et de guerre. Certains viennent aussi des pays de l'Est et de plus loin encore. Depuis un an, ils se sont regroupés dans plusieurs camps de toile installés au large de la gare d'Austerlitz à Paris. 300 hommes qui résistent et témoignent de la force de la solidarité de ces damnés de la Terre. Près de 300 migrants demandeurs d'asile se sont installés depuis plusieurs semaines sur les quais d'Austerlitz dans le 13e arrondissement de Paris. Sur place, dans l'attente d'une réaction des autorités, on s'organise. Nous sommes 4 personnes, moi, Ibrahim, Omar, Mustapha. On a mis toute notre volonté pour organiser les campements. Ni association avant le mois de Ramadan, elle était présente ici, ni la mairie de Paris. Nous sommes passés un an et demi à organiser seules des choses, comme les cours de français, comme le nettoyage, comme l'éducation, comme l'accompagnement aux hôpitaux. À propos des nourritures, on partage le besoin de chaque campement. Il y a la solidarité qui porte la nourriture, des dons, argent. Et chaque campement qu'ils gèrent pour ce campement, ils ont besoin. Pour profiter du temps perdu, on a fait le cours de français. Mieux qu'il reste comme ça, on ne sait rien faire. Alors on a profité de ce temps pour faire quelque chose de positif. Un véritable lieu de partage et de solidarité. On se sent quelque chose, dit à l'autre, mira que là, tu peux manger mieux que dans ce site. Aussi, à veces, nous changeons quelques choses. Uno tiene unos zapatos que no le sirven, da otro una camiseta. Si uno tiene más comida, va a dar a otro. Entre los pobres se ve más solidaridad. Aujourd'hui, ils se disent fatigués et espèrent que leur évacuation se déroulera dans le calme. Une chose est sûre, leur sort sera fixé dans les prochains jours. En attendant de réduire les inégalités spatiales, il est possible de répondre à l'urgence sociale du mal logement. C'est ce que fait l'association Frater, qui propose aux plus défavorisés, les sans-abri, les migrants, les mal-logés, de se construire un abri écolo-compatible. L'association Frater est défenseur d'une nouvelle façon de construire et milite sur l'injustice sociale. Cette association propose pour les plus défavorisés, les sans-abri, les migrants, les mal-logés, de se construire plus qu'un abri d'urgence, mais plutôt un avenir. Sébastien, ça fait longtemps que tu t'es mis à réaliser ces dômes ? Ben, ça fait à peu près... J'ai commencé à apprendre la technique avec Claire Blanchemanche en 2011. Qui a commencé à faire cette réalisation? Alors Nader Khalili, donc, c'est un Iranien, comme je disais, qui s'est installé dans un désert en Californie, là-bas où il y a beaucoup de tremblements de terre, et qui a validé dans les années 91 en fait, cette méthode de construction qu'il a appelée la méthode du super-adobe. Super-adobe, en fait, c'est un brevet. Donc c'est une méthode à la base donc pour le milliard de sans-abri qui perd sa toiture à cause d'un tremblement de terre, un tsunami, et qui permet donc de reconstruire avec la famille. On envoie juste un instructeur sur un chantier et avec la famille, ils reconstruisent un habitat durable, solide pour les prochains séismes, comme actuellement à Katmandou. Donc on a construit une quarantaine de dômes. Pour les orphelins, ils ont résisté donc au dernier tremblement de terre 7.9 qu'on viendrait d'adopter, pas pour sa solidité, mais aussi pour son aspect écologique, puisqu'on n'a pas besoin de couper d'arbres ni charpentes, puisque c'est autoportant et c'est une méthode
comment dire, d'encorbellement, d'arcade en cercle. Voilà. Ce qui donne une forme indestructible. Super Adobe, en fait, c'est un brevet mondial, mais que tout le monde peut utiliser, qui permet donc de, entre chaque couche, normalement, on met un fil de fer barbelé pour créer l'adhésion entre chaque couche. Voilà, c'est ça le brevet en lui-même. Mais actuellement, vous voyez, j'utilise non pas du fil de fer barbelé, mais des pieux, une autre manière de construire. Voilà. Mais les pieux, ils servent à consolider les boudins entre eux ? Voilà, parce qu'ils transpercent plusieurs colombins entre eux, exactement. C'est leur fonction, puisque toutes les forces de gravité viennent verticalement, mais elles viennent aussi sur les côtés. Tous les dômes doivent être cerclés, en fait. En général, on met des contreforts. Ici, je ne mets pas de contrefort, mais voilà, j'ai utilisé cette technique-là pour que ça soit solide. Alors ça, c'est du gravier concassé, tout simplement. L'idée, c'est que quand on fait un mélange de terre, on mélange différents agrégats de différentes tailles, entre le plus fin qui est l'argile, qui n'est pas une charge, mais un liant. Scorie des volcans, donc ils sont une matière très intéressante parce qu'elle est très légère, elle est pleine de trous. Le trou comprenant de l'air, l'air étant un isolant. Si on la met dans les murs, on a effectivement un isolant naturel en fait. Je mélange en fait différentes tailles et en mouillant en fait le mélange et en compressant, en compactant, j'expulse l'air qui expulse s'il y avait un peu trop d'humidité dans le mélange. Et à ce moment-là, on a un béton de terre qui est très très solide. Et le fait qu'il soit moulé dans le sac, ça bouge plus, ça devient une structure vraiment structurellement très solide, voilà, et résistante. Au moment où le gouvernement fait voter une loi sur la transition énergétique qui multiplie les objectifs ambitieux, mais n'explique pas véritablement comment on se propose de les atteindre, il est une invention déjà ancienne, mais toujours simple, bon marché et de plus en plus performante, qui pourrait jouer un grand rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le vélo. Alors que s'achevait le Tour de France et ses exploits stupéfiants, le collectif Vélorussion organisait à Paris une mobilisation pour rappeler que le cyclisme, c'est d'abord le moyen de se déplacer facilement et sans polluer. Ce 21 juillet, le collectif Vélorussion s'est rassemblé devant le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Ce collectif, qui réclame la rue pour les cyclistes et les autres non motorisés, compte bien profiter de la COP21 pour mettre le vélo au devant de la scène à la conférence sur le climat. Là, on fait le 21 du mois, c'était une espèce d'élan vers la COP21. Et justement, à Bruxelles, on en a beaucoup parlé avec les gens qui étaient là, donc pas mal de Belges qui vont venir aussi. Et l'idée, c'était de continuer à brainstormer un peu plus nombreux, si vous êtes d'accord, de se poser dans un parc et de discuter de ça. Donc en fait, on est responsable de la sécurité de tout le monde. Donc c'est important d'avancer de manière compacte. Ceux qui sont à l'avant du peloton, dès qu'il y a des voies avec les voitures ou les motos qui rentrent sur les côtés, on les bloque avec nos vélos. Et c'est l'occasion de leur expliquer que ça va durer 5 minutes le temps qu'on passe et de leur parler de la Vélorussion. Déjà, c'est la première fois que je fais cette Vélorussion, c'est ça. Et pourquoi j'achète pas de vélo, je sais pas. Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que j'aille sur le bon coin. Comme cette jeune femme, nous sommes nombreux à aimer le vélo et pourtant ne pas l'utiliser dans les grandes villes. Amsterdam est la ville de référence sur le vélo, mais elle n'est pas la seule. On compte aussi Philadelphie, Séville ou encore Malmö en Suède. Même si avant 2003, à Malmö, 50% des trajets de moins de 5 km s'effectuaient encore en voiture. När vi startade den här kampanjen så tyckte vi att 5 km, ja, för de flesta så kan man cykla den sträckan på 10 minuter. Frågan är hur mycket snabbare man kommer fram med bil. Sökning 2003 och den visade att hälften av alla bilresor i Malmö var under 5 km. Si Malmö est l'exemple de la volonté politique, il reste quelques idées reçues. Le vélo, un déplacement du Moyen Âge, c'est pour les pauvres qui ne peuvent pas s'acheter de voiture ou pour les uluberlus. Le vélo tous les jours pour aller au travail. Sur 80 salariés, je suis le seul à prendre mon vélo quasiment toute l'année. On me regarde des fois comme un extraterrestre. Voilà, ouais. Ça me semble pour moi normal. Et c'est vrai que quand je leur propose, quand je parle à mon entreprise en disant qu'est-ce que vous pouvez faire, j'ai aucune réponse. Donner au vélo l'image d'un objet moderne qui n'est pas révélateur d'un statut social, mais d'un style de vie libéré des contraintes sociales et des pressions de la vie moderne,
intégrer le modèle du vélo dans l'écomobilité est un vrai enjeu dans la conférence pour le climat prévue début décembre à Paris. Alors face au changement climatique, il paraît que nous sommes tous concernés, comme le dit la publicité de la conférence internationale sur le climat, la COP21, qui se tiendra en décembre à Paris. Et c'est vrai, à cette nuance près, que les hommes ne sont pas plus égaux devant le changement climatique qu'ils ne le sont face à la pollution. L'altergité est allée écouter ces voix qui rappellent qu'il n'y a pas d'écologie sans justice et que le mouvement ouvrier et le militantisme écolo ont des choses à se dire, de toute urgence. Dans le clip officiel qui annonce la conférence internationale sur le climat, la COP21, le premier message délivré est celui-ci. Nous sommes tous menacés. C'est vrai, mais pour être tout à fait honnête, en vérité, nous ne sommes pas tous menacés pareil. Et c'est ce que souligne le sociologue Rasmik Keshayan, rencontré dans un débat sur le racisme environnemental. Il me semble que d'un point de vue général, les problématiques écologistes ont tendance, en tout cas dans l'écologie disons dominante, à être construites comme par trop universalistes, c'est-à-dire comme concernant de manière indiscriminée tous les secteurs de la population, quels qu'ils soient, les riches, les pauvres, quel que soit le pays, etc. Or, on s'aperçoit en examinant un peu la question qu'il existe des inégalités environnementales. D'ailleurs, il existe même aux États-Unis un mouvement pour la justice environnementale. Un point important, c'est qu'il est issu non pas du mouvement écologiste aux États-Unis, qui naît dans les années 50, ni du mouvement environnementaliste qui apparaît au 19e siècle, mais du mouvement des droits civiques. C'est une bifurcation inattendue du mouvement des droits civiques qui est survenu en gros dans le dernier tiers du 20e siècle, à une époque où le mouvement des droits civiques proprement dit est en relative perte de vitesse. C'est non seulement un mouvement social, mais c'est aussi un ensemble de théories qui vont émerger petit à petit. Et en particulier, en 1987, va paraître une étude qui va faire grand bruit, qui est une étude qui s'intitule « Toxic Waste and Race in the United States », c'est-à-dire « Déchets toxiques et races aux États-Unis ». Elle établit pour la première fois analytiquement, si l'on peut dire, ce que les manifestants de Caroline du Nord avaient observé sur le terrain, à savoir que la race est un facteur explicatif, et dans bien des cas le principal facteur explicatif, de la localisation des décharges de déchets toxiques aux États-Unis. En d'autres termes, si vous voulez savoir où un stock de déchets toxiques donné a le plus de chances statistiquement d'être enfoui, eh bien demandez-vous où vivent les Noirs, où vivent les Hispaniques, où vivent les Amérindiens et autres types de minorités raciales. Demandez-vous aussi, par la même occasion, où se trouvent les quartiers pauvres. Il y a très peu d'études sur la question du racisme environnemental en France. Il en existe quelques-unes qui sont parues récemment. Et j'en cite une qui est parue en 2014. Elle démontre qu'en France, chaque pourcentage supplémentaire de la population d'une ville qui est née à l'étranger augmente de plus de 29% les chances pour qu'un incinérateur à déchets, qui émet donc différents types de pollution, y soit installé. La France est le premier pays en Europe par son nombre d'usines d'incinération. Situées principalement en banlieue, elles se reconnaissent grâce à ces épaisses fumées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Incidence pour les populations vivant près d'un incinérateur. Tout cela n'est pas vraiment une découverte, mais pourtant, en France, à écouter Eros Sana, journaliste et militant écologiste, l'écologie semble comme flotter au-dessus des inégalités raciales et environnementales. Les mouvements environnementaux ou écologistes, associatifs comme politiques, ont une grande difficulté à accepter que des concepts qu'on peut rapprocher comme les inégalités, comme le disait Trémy Razmig, et le racisme, peuvent se trouvent dans les espaces qu'on ségrégait en banlieue de France, mais aussi ailleurs. Hein. Donc pour beaucoup de gens, la manière dont s'est constituée, s'est politisée la question environnementale dans l'espace public français, c'est une question qui ne concerne pas les personnes dominées, qui ne concerne pas les communautés affaiblies, ouvrières, issues de l'immigration, de banlieue. Choisissez la case qui vous convient. Le sens commun, il est vrai, voudrait que nous soyons tous égaux face au dérèglement climatique et à une hausse des températures. Eh bien non. Et pour s'en convaincre, on peut revenir quelques années en arrière. Lors de la canicule de 2003, qui fit 15 000 morts en France, comme vous vous en souvenez, le département de la Seine-Saint-Denis fut le deuxième département le plus touché par la surmortalité. C'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables en temps de canicule sont les mêmes personnes déjà les plus vulnérables socialement, les plus pauvres, les plus malades, les plus mal logés, les plus isolés. Cette question des inégalités environnementales et climatiques présenterait, selon Rasmik Keshayan, un intérêt politique et stratégique majeur. Un espoir. Il me semble qu'il est tout à fait important de mettre cette question des inégalités environnementales au cœur de la construction
des mouvements écologistes à venir pour une raison simple, c'est que pour qu'un mouvement social émerge, devienne puissant, monte en généralité et obtienne des succès, il doit, me semble-t-il, toujours être construit sur la base d'un sentiment d'injustice. Or, l'injustice en l'occurrence, c'est précisément les inégalités environnementales, c'est-à-dire le fait que certaines catégories de la population, du fait de la classe sociale à laquelle ils appartiennent, du fait de leur genre, etc., eh bien, subissent de manière accrue, de manière privilégiée, les effets néfastes de la crise climatique. Alors, à mon avis, l'un des effets bénéfiques de tout cela, c'est que ça va permettre de créer des convergences avec d'autres victimes, d'autres types d'inégalités, et particulièrement des revendications issues du mouvement ouvrier. Comme on le sait, le mouvement ouvrier s'est créé au XIXe siècle autour d'une forme d'inégalité notamment, qui est la revendication pour l'augmentation salariale, les inégalités économiques, disons au sens large. En mettant au cœur de nos revendications la notion d'inégalité environnementale, on utilise d'une certaine manière un vocabulaire qui peut être entendu par certains secteurs au moins du mouvement ouvrier. Il y a un an, le 1er août 2014, débutait au Sahel l'intervention militaire française dite « Opération Barkhane ». Officiellement dédiée à la lutte contre le terrorisme, elle n'est cependant pas exempte d'intérêts plus prosaïques, qui nous éclairent au passage sur le véritable coût de l'énergie nucléaire. Le 1er août prochain, l'opération militaire française Barkhane fêtera sa première année d'existence. Répartie entre Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, l'opération Barkhane prétend maintenir la paix en combattant l'ACMI et Ansar Dine, deux mouvements considérés comme terroristes par les Nations Unies. Dans le cas d'ACMI, acronyme de Al-Qaïda au Maghreb islamique, il s'agit d'un groupe armé salafiste descendant du GIA algérien de sinistre mémoire. Ansar Dine est un groupe issu de la rébellion Touareg de 1990-96 qui conteste les frontières actuelles du Mali et prétendait jusqu'à un revirement il y a 3 ans vouloir instaurer la charia dans les zones sous contrôle. Dans les deux cas, même si ces organisations militaires peuvent être à l'origine d'atrocités commises à l'encontre des populations civiles, il s'agit de groupes de gens n'ayant vécu qu'une seule et unique réalité, la guerre. Si les estimations des effectifs des groupes terroristes oscillent entre 2000 et 2500, la France a néanmoins décidé d'y envoyer en 2014 3000 militaires, 200 véhicules logistiques, 200 blindés, 4 drones, 6 avions de combat, une dizaine d'avions de transport et une vingtaine d'hélicoptères en plus des forces françaises déjà en présence dans la région depuis 2011. Pourtant, de l'aveu même du général Vincent Desportes, dans une interview accordée au journal Le Figaro, la France est responsable du chaos actuel dans la région. À l'origine de l'opération Barkhane, le 15 novembre 2012, François Hollande, président français, recevait le président nigérien à l'Élysée pour discuter d'une intervention militaire et de la protection des exploitations françaises des mines d'uranium au Niger, à la frontière avec le Mali. Selon RFI, l'uranium était bien au cœur des discussions entre les présidents français et nigériens à Paris, ce qui est confirmé lors de la conférence de presse par les propos du président nigérien qui déclarait alors, après avoir parlé de l'intervention militaire imminente de la France, « Vous savez que le Niger est engagé dans un partenariat stratégique avec la France à travers Areva pour l'exploitation de l'uranium. Nous allons poursuivre ce partenariat stratégique entre nos deux pays. » Dans ces régions où la France a souvent joué le rôle du pompier pyromane, la traque des bandes armées de criminels semant la terreur a souvent servi, sous couvert de missions de maintien de la paix, à justifier une présence militaire permettant d'assurer la protection des sites d'extraction. Le Parlement régional de Catalogne interdit les animaux sauvages dans les cirques. La région du nord de l'Espagne rejoint la liste des pays qui ont déjà voté un règlement similaire, parmi lesquels la Belgique, le Portugal, la Grèce ou l'Autriche. Une victoire pour les militants de la cause animale qui ont lutté pour obtenir ce vote. La mesure pourrait d'ailleurs être étendue aux animaux domestiques et autres chevaux. C'est un mensuel d'investigation, d'analyse et d'humour dans une région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les dérives des élites sont nombreuses. C'est un journal libre et indépendant qui s'en prend à la corruption, aux pollutions industrielles ou encore à la gestion des communes par le Front National. Mais c'est un journal qui se meurt, faute d'argent. C'est pour toutes ces raisons qu'il mérite qu'on le défende. Aussi l'Altergité a-t-il décidé de relayer le clip d'appel à l'aide de nos confrères et camarades du Ravi. Oh, là, je boue, là. Là, je boue. Là, je rentre en fusion. Le Ravi va fermer. Le Ravi va fermer. Pour une fois qu'on avait un journal satirique, indépendant et surtout provençal, qu'est-ce que je vais lire, moi, maintenant? Oh, putain, il y a les élections qui arrivent. Qui c'est qui va s'en occuper? Oh, il faut lever les bras, là. Il faut faire comme eux, là. Il faut pas les baisser. Il faut les soutenir, les gars. Il faut les soutenir. On a été Charlie. Maintenant, on va tous être ravis. Mobilisez-vous et surtout abonnez-vous. Il faut les soutenir, il ne faut pas laisser tomber. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous.
Et voilà, cette nouvelle édition de votre Alter JT est maintenant terminée. L'Alter JT va marquer une petite pause estivale pour les vacances et reviendra à la mi-août. Et d'ici là, on lâche rien.